intervento. Tu sei a Forlì da 8 giorni, hai avuto modo di conoscere la nostra città, sei stato accolto e accompagnato nella conoscenza della città in questi giorni, hai avuto modo di essere, di conoscere anche le realtà, le istituzioni della nostra città. Ha incontrato in questi giorni, voglio ricordare, sono presenti questa sera qui con noi, l'assessore professor Patrick Leach, che è assessore del Comune alle relazioni internazionali. È presente Paolo Regazzini, che è presidente del Consiglio Comunale, quindi il massimo organo di rappresentanza dei forlivesi. È presente anche la consigliera comunale Sara Samori, che questa sera non offrono una presenza, come dire, di rito, ma una presenza sicuramente che accompagna in maniera sentita la tua permanenza qui a Forlì. Moret, lasciamo a te la parola per il tuo contributo. Grazie. Ci sono, grazie. Je crois que Ricardo n'a rien laissé à dire. Il a très bien expliqué de la question historique et le développement de la question du Sahara occidental légalement. Mais je veux seulement qu'on maintienne dans notre tête, nous maintient que le problème du Sahara occidental est un problème, un, de droit international et d'application de droit international. Ça, c'est plus important. Mais aussi, c'est un problème de violation qui continue des droits de l'homme depuis 1975, depuis l'invasion marocaine des territoires. Alors, ce sont les deux volets qui continuent à faire de la question du Sahara occidental un problème régional et international très sérieux. Dunque, Riccardo ha riassunto molto bene quello che è la storia del nostro popolo, della situazione in Sahara occidentale e gli sviluppi successivi che ci sono stati. Io vorrei che fosse molto chiaro che il problema del Sahara occidentale è un problema di diritto internazionale e della sua applicazione. E d'altra parte è anche un problema di violazione dei diritti umani che sono stati fatti dal 1975 con la dopo l'invasione. Questi sono due punti che definiscono bene qual è il problema di questa zona, che è un problema regionale e in genere importante mondiale. C'est un problema internazionale très sérieux parce que il est inacceptable qu'en 2011. La communauté internationale n'arrive pas à appliquer la loi pure et simple, appliquer des lois qui ont été adoptées par toutes les nations, par tous les peuples, et notamment un droit fondamental qui est le droit à l'autodétermination, qui est un droit pour tout le monde, et un droit qui ne peut pas être nié à tel ou tel peuple parce qu'il est petit, parce qu'il y a des intérêts, parce qu'il y a des acteurs internationaux puissants qui refusent de laisser ce peuple s'autodéterminer. Et dans notre cas, malheureusement, c'est un acteur européen qui empêche l'exercice par le peuple saharaui de son droit, notamment la France qui malheureusement aussi et le leader de l'Union européenne dans la question du Sahara occidental, c'est la France qui fait la politique européenne au Sahara occidental, et c'est un fait lamentable, un fait que le peuple sahraoui n'arrive pas à accepter. Comment l'Europe démocratique, l'Europe des droits de l'homme, accepte la violation des droits de l'homme et la violation de la démocratie au Sahara occidental?
è un problema internazionale serio, e perché è inaccettabile che nel 2011 la comunità internazionale non riesce a far rispettare il diritto internazionale che è stato scelto proprio da lei, dalla comunità internazionale stessa, e è non fa rispettare nemmeno quel diritto di autodeterminazione che è alla base della sua Costituzione. E quindi il fatto proprio che questo diritto internazionale è inaccettabile che possa essere negato a questo, a quel paese, perché magari ha dietro altri paesi che non gli conviene che venga fatto una cosa anziché un'altra, e questo è inaccettabile. È inaccettabile che l'azione, come agisce l'Unione Europea in maniera assolutamente contraddittoria, e che è inaccettabile che l'Unione Europea si lasci guidare, influenzare da altri dei paesi suoi membri, in particolare in questo caso è la Francia, e si faccia condizionare anche tutta l'intera politica estera della Francia, e questo lo riteniamo assolutamente inaccettabile. Il è aussi inacceptable parce que en Afrique, et surtout au nord de l'Afrique, on n'arrive pas à comprendre comment l'Union européenne continue à adopter des politiques non démocratiques, pures et simples, des politiques qui vont à l'encontre des volontés et des droits des peuples du nord de l'Afrique, et on n'arrive pas à comprendre comment l'Europe permet à la France, qui s'est avérée incompétente en ce qui concerne l'adoption des politiques envers les pays de Nord-Afrique, et on a vu ce qui s'est passé en Tunisie. Je crois que c'est une preuve, je crois que c'est une alarme qui a sonné, que Europe, réveillez-vous, vous avez jusqu'à maintenant adopté des politiques ravageuses au nord de l'Afrique, et il est temps de mettre un terme à cette tendance. In Africa, in particolare in Africa del Nord, non capiamo come l'Unione Europea abbia adottato in Africa del Nord non capiamo come l'Unione Europea abbia voluto adottare delle politiche così a sostegno non democrazia. Ha adottato sempre delle politiche che andavano contro la popolazione, e non capisce come e perché sia data alla Francia un ruolo così importante, visto che è completamente incompetente verso le politiche del Nord Africa. Il caso della Tunisia è un caso eclatante, è un allarme. È un allarme che dice: attenzione, finora avete seguito delle politiche sbagliate che hanno portato a questo tipo di disastri. Maintenant, le deuxième volet très critique, ça représente, c'est la question des violations des droits de l'homme, qui ont commencé, comme a avancé Ricardo, depuis l'invasion militaire en 1975. Et c'est simple d'entendre qu'il y a eu occupation ou invasion, mais sur le terrain, l'invasion veut dire des tueries, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des gens qui ont été forcés à l'exil depuis 1975, des milliers de familles, des milliers d'enfants, des milliers d'anciens qui ont été forcés de quitter leur maison et ont été forcés à vivre en désert, lutter dans des conditions intolérables pour exercer un droit. Ce n'est pas pour des questions économiques, ils ne sont pas réfugiés parce qu'ils avaient des problèmes économiques dans leur pays, mais parce qu'ils ont été contraints à quitter leur pays. Et tout dernièrement, et ça c'est le Maroc qui le reconnaît finalement, en décembre 2010 et en janvier 2011, deux rapports très importants ont été publiés par le Maroc. Ce n'est pas des Sahraouis qui ont écrit ça, ce n'est pas des organisations internationales. Le premier rapport, qui est pour moi très intéressant, a été publié par le Conseil
royal consultatif des droits de l'homme, une institution royale officielle qui reconnaît pratiquement la responsabilité de l'État marocain et de l'armée marocaine dans des crimes de guerre et dans des crimes contre l'humanité, la responsabilité de l'État marocain dans le meurtre dans des prisons secrètes de centaines de citoyens sahraouis. Et ça, c'est une première. C'est la première fois que le Maroc officiel reconnaît ce crime. Il secondo aspetto che volevo trattare è la violazione dei diritti dell'uomo, che è cominciata, come diceva Riccardo precedentemente, nel 1975. E si è sempre sentito parlare di invasione, ma non ci siamo mai. È difficile rendersi conto cosa significa invasione. Invasione vuol dire guerra, disperazione, uccisioni, morti, scomparsi, tortura, migliaia e migliaia di persone, vecchi, bambini, donne, gente che è stata forzata a lasciare la propria casa, a lasciare i propri beni, a lasciare anche i propri cari, a separare le separazioni delle famiglie. E questo perché non perché volessero, ma sono stati costretti perché volevano esercitare il proprio diritto, perché non volevano essere subire l'occupazione. E finalmente nel dicembre 2010 e a gennaio 2011 ci sono stati due rapporti che per me sono estremamente importanti, sono stati pubblicati. Uno è stato pubblicato da parte del Consiglio Reale Marocchino per i diritti umani ed è una cosa molto eclatante perché è la prima volta che il Regno del Marocco riconosce la responsabilità che da parte dell'armata marocchina di aver commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ha ammesso che ha ucciso molte persone e le ha in detenzione in prigioni segrete ed è la prima volta che l'ha fatto. Alors, le Conseil royal a reconnu la responsabilité du gouvernement dans le meurtre de 350 disparus sahraouis, avec les noms, leur nom, leur date de naissance, leurs détails. Ces mêmes victimes ont été toujours niées. Le Maroc a nié leur existence ou bien nié sa responsabilité dans sa mort. Mais voilà, maintenant, en 2011, finalement, le Maroc officiel reconnaît que sa présence de 75 jusqu'à 92, la date que le rapport couvre, c'était une invasion militaire. Il y avait des crimes qui ont été commis contre la population sahraouie. Et le rapport, l'autre rapport, le deuxième rapport, c'est un autre rapport marocain, qui a été élaboré par 11 associations marocaines de droits de l'homme, des avocats, des associations concernées de droits de l'homme, et qui ont rapporté sur ce qui s'est passé à la Youm occupée en novembre 2010, et ce qui s'est passé, c'est une autre attaque militaire contre des civils sahraouis qui n'ont fait que protester pacifiquement pour exiger leur droit au travail, leur droit à la souveraineté sur leur territoire, leur droit économique dans leur propre territoire. È stato quindi questo rapporto pubblicato dal Consiglio Reale del Marocco per i diritti umani. È stato un riconoscimento molto forte della responsabilità della morte di 352 persone scomparse nella detenzione ed è molto dettagliato perché riporta nomi, dettagli di ogni singolo individuo e tutto questo lo ha sempre negato la propria responsabilità e invece ora finalmente la riconosce. Riconosce quindi la sua
responsabilità di queste morti che fatte causate dal 75 al 92 con un'invasione militare e quindi ammette di essere stato autore di un crimine contro il popolo sarawi. Il secondo rapporto invece è un rapporto che è stato stilato da 11 associazioni marocchine, associazioni come associazioni anche di avvocati e altre associazioni che si occupano di diritti umani, che hanno indagato sull'attacco militare tra l'ottobre e il novembre scorso contro la popolazione civile e che semplicemente rivendicava dei diritti alla normale sopravvivenza. Alors voilà ce qui se passe. Le Maroc est responsable des violations des droits internationaux, responsable des violations des droits de l'homme, et le reconnaît ouvertement dans des rapports officiels et des rapports d'associations marocaines, et la communauté internationale est absente. C'est ça qui est vraiment sérieux. On n'a pas entendu des organisations internationales, on n'a pas entendu une réaction de l'ONU. Pas de réaction de l'Union européenne, rien. Alors un criminel reconnaît son crime devant tout le monde, noir sur blanc dans un rapport officiel d'une institution officielle, et rien. Je dis que nous avons un sérieux problème dans l'ONU et dans les institutions internationales. Et je dis que les citoyens du monde sont absents. Sont absents parce que maintenant ce sont les Sahraouis qui sont victimes. Ils ont été victimes depuis 75, mais demain, à qui sera le tour? N'importe quel autre pays, n'importe quelle population, n'importe quelle personne peut être victime de semblables violations et personne ne va parler parce qu'il y avait eu un peuple qui a été victime de violations pendant toutes ces années et vous n'avez rien fait. Alors c'est ça qui est vraiment sérieux, au moins selon mon humble point de vue. Ce que les deux rapports n'ont pas couvert est encore plus flagrant, parce que le premier rapport officiel, c'est pas trop, le premier rapport officiel parle d'une période de 58 à 92. Le deuxième parle de novembre 2011, il y a toute une période de 92 à 2011 qui n'est pas couverte. Et pendant cette période, je peux vous affirmer, moi, parce que j'étais victime, comme plusieurs Sahraouis, qu'il y a eu des milliers, je ne dis pas des centaines, des milliers de jeunes, d'étudiants, de pères de famille, de mères de famille, qui ont été arrêtés, torturés, emprisonnés, disparus pendant des années, pendant des mois, et on n'entend pas parler d'eux. Quindi, il Marocco, ci troviamo di fronte a una situazione che da una parte si vede che il Marocco è responsabile di una serie di crimini contro l'umanità e crimini di guerra, e lo riconosce, e la comunità internazionale è assente. E non abbiamo mai sentito alcun commento da parte dell'ONU o dell'Unione Europea circa quanto è avvenuto. E quindi abbiamo un problema molto serio che è la comunità internazionale. E un problema molto serio sono i cittadini del mondo che sono assenti. Ora sono i Sahrawi che sono le vittime, ma domani toccherà un'altra popolazione, visto che c'è stato un precedente e ci sono dei precedenti. Questo è veramente grave. E quello che manca nei due rapporti che hanno fatto è questo. Dunque, il primo rapporto abbiamo detto che va dal 1958 al 1992, il riconoscimento della responsabilità di questi crimini, quindi copre questo lasso di tempo. Il secondo parla del ottobre-novembre 2010, manca quello che c'è tra il 92 e il 2010, e io posso dirvi, come tante altre persone possono essere testimoni, che ci sono stati in questi anni migliaia e migliaia e migliaia di studenti, famiglie, singoli, persone che sono scomparsi per mesi, per anni,
Je vais vous donner des exemples. En 87, par exemple, en 87, 400 jeunes étudiants ont été arrêtés. 400. Arrêtés, c'est-à-dire torturés, et tout, c'est tout un système d'intimidation et de... 70% d'entre eux ont été disparus pendant 4 ans dans un camp de détention secrète, emprisonnés, c'est-à-dire assis, yeux bandés, les mains menottées. Alors imaginez 4 ans, une personne assise sur terre, après torture et tout, et pendant 4 ans, des femmes, il y avait 17 femmes. Et en même temps, 10 000 jeunes, 10 000 dans notre, pour le peuple sahraoui, c'est tout un peuple, 10 000 c'est peut-être 20% du peuple sahraoui, de la jeunesse du peuple sahraoui, en 87. Alors ces 10 000 étudiants jeunes ont été forcés à arrêter leur étude et ont été déportés dans les villes marocaines. Alors imaginez ce grand choc pour un peuple de la taille du peuple sahraoui. C'était en 87, une année de violation. En 92, il y avait des centaines de jeunes qui ont disparu. 93, 95, 99, il y avait eu un intifada, un vrai intifada au Sahara occidental. Mais sûrement, vous n'avez rien entendu de ce qui s'est passé. Alors que ce qui s'est passé en 99 était exactement ce qui se passe en Palestine, exactement ce qui s'est passé en Tunisie. Des manifestations, des confrontations avec la police, des gens arrêtés, des gens torturés. Mais les médias n'en ont jamais parlé. 2005, une autre intifada. Ça au moins, grâce à la révolution d'Internet et grâce aux activistes des droits de l'homme dans les territoires occupés, grâce au blog, au YouTube, à ces médias alternatifs, au moins, comme journaliste, on a pu suivre ce qui s'est passé, on a pu avoir des photos, on a pu avoir des vidéos. Et ce qu'on a vu, on connaît, on a toujours connu, mais peut-être que vous allez être choqués de voir qu'il y a vraiment une révolution au Sahara occidental, et il y a une résistance, une vraie, depuis 75 médias, une totale absence de médiatisation de ce qui se passe là-bas. Vi faccio due esempi. Nel 1987 ci sono stati 400 giovani studenti che sono stati arrestati. Arrestati vuol dire arrestati, presi, torturati, interrogati. È tutto un sistema che si accompagna al momento dietro la parola arresto. E ci sono stati. Ci sono state gente che sempre nell'87 è scomparsa per 4 anni consecutivi, non si è sentito più parlare assolutamente niente di loro, in detenzioni, in prigioni segrete. E queste detenzioni volevano dire, per queste persone che sono state arrestate, di cui 14 erano donne, essere sempre seduti, bendati, al buio, per 4 anni. E nel frattempo 10.000 persone, studenti, che 10.000 per il nostro popolo è un numero enorme, è una percentuale molto alta del mondo giovanile di allora, dell'87, e queste persone sono state forzate a finire i propri studi, a cessare qualsiasi attività facessero in quel territorio e sono stati deportati altrove, in un altro posto. Nel 1992 posso dire di altri esempi, di altre scomparse e così via, fino al 95 e ancora avanti. Nel 99 c'è stata un'intifada molto forte, c'è stata una rivolta sanguinosissima, ne avete sentito parlare voi? No, c'è stata gente torturata, ne avete sentito parlare? Nessuno ne parlava. Poi arriviamo al 2005, grazie a questi nuovi mezzi di informazioni alternativi, blog, YouTube, dove la gente può mettere le cose liberamente e dove gente liberamente o casualmente riesce a vederle,
c'è stata finalmente una visibilità mediatica che ha fatto vedere effettivamente che c'è stata e continuava questa intifada che in realtà era iniziata molto tempo prima. Alors si vous avez le temps, je peux vous raconter plusieurs histoires sur des souffrances et sur des expériences individuelles, collectives. Mais ce que je vous soulignais est que il y a une situation sérieuse de violation des droits de l'homme, de violation des droits internationaux au Sahara occidental. Ça, c'est un fait. Ça ne peut plus se cacher. Les Nations Unies sont maintenant en train d'essayer de convaincre le Maroc, le criminel qui reconnaît ses crimes, d'accepter la loi internationale, d'accepter l'application de la loi internationale. Et c'est malheureux. C'est malheureux que la communauté internationale sollicite du criminel d'accepter d'appliquer la loi. Ça, je le trouve vraiment dommage. Mais c'est ce qui se passe. C'est comme ça. C'est la loi internationale. C'est la réalité politique. C'est les intérêts économiques. C'est ce terme français inébranlable et soutenu et déterminé à cette situation et à l'expansionnisme marocain et aux violations marocaines des droits de l'homme et des droits internationaux. Mais je veux aussi vous donner un message d'optimisme aussi. Le peuple sahraoui refuse d'arrêter de se battre et de lutter pour ses droits, refuse d'arrêter de se battre parce que si on ne réussit pas, nous, notre génération et les générations qui ont commencé cette lutte, si on ne réussit pas à libérer notre pays, nous allons au moins laisser une lutte honorable aux autres générations. Nous allons leur laisser un patrimoine, c'est ce que nous travaillons, c'est ce que nous essayons de travailler ici avec l'université de Volley, de maintenir le patrimoine culturel, politique, légal, historique de ce peuple qui refuse de baisser les armes, et d'arrêter le combat. Alors c'est le message. Pour la solution est très simple. La solution est très simple. Comme le conflit, il est très simple. Le conflit a été défini par la légalité internationale, par la communauté internationale. Tout le monde reconnaît que c'est un cas de décolonisation. Tout le monde reconnaît que le peuple saharaoui a un droit à l'autodétermination. Alors exercez-le. Laissez-le exercer. C'est simple. Et la seule voix qui peut permettre à ce peuple et tout autre peuple à exercer ce droit, comme a été historiquement démontré, c'est un référendum, un vote démocratique. C'est simple, c'est un vote, permettre à chacun, chaque Sahraoui, de dire ce qu'il veut vraiment. Et un vote sur trois options. C'est ce que dit la loi internationale. Indépendance, autonomie ou intégration dans une autre entité. C'est simple. Seulement, il faut avoir la volonté politique pour l'appliquer. Ma se avete tempo, poi posso raccontare di altre cose rispetto a quell'excursus che facevo di date e di notizie che non sono state date e di fatti che sono accaduti. Quindi c'è una situazione molto seria di violazione dei diritti umani e di diritto internazionale e la cosa veramente strana è che l'ONU sta cercando di convincere il Marocco ad accettare la legge internazionale e questo è preoccupante, cioè la comunità internazionale che deve convincere dei criminali ad accettare che c'è una legge internazionale, è veramente incredibile, ma questa è la realpolitik. Ma voglio anche dare un messaggio di ottimismo, che il popolo sahraoui non si arresta di battersi per i propri diritti. E
e non lasciamo, se lasciamo perdere vuol dire lasciare questa rotta ad altre generazioni, e queste altre generazioni continueranno, e ce ne sarà veramente tanto bisogno di memoria storica per far capire ai nostri figli che cosa è stato fatto in precedenza, e quindi programmi come questo con l'università continueranno e continueranno. Ma il nostro popolo non smette, non si ferma, e anche perché è una soluzione semplice, è come il conflitto, è molto semplice. Tutti riconosciamo che c'è il diritto, che c'è la determinazione, l'abbiamo scritto, l'abbiamo deciso, ed ora, a parte le parole, bisogna scendere nei fatti, è molto semplice, bisogna rispettarli. Questo vuol dire fare un referendum vuol dire che è un voto democratico, il voto democratico vuol dire permettere alle popolazioni, al popolo, alla popolazione di decidere cosa vuoi, è molto semplice, sono delle opzioni, indipendenza può essere autonoma, è un'altra soluzione, e bisogna solo mettere una croce. Finalement, j'ai eu la possibilité de visiter plusieurs pays européens pour parler de la question, pour rencontrer des gens. Et je leur dis toujours, quand ils me disent qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, je leur dis aidez-vous d'abord, aidez-vous-même. Vous êtes absent des décisions de vos gouvernements. Aidez-vous parce qu'on parle et on prend des décisions en votre nom, des décisions qui ne sont pas démocratiques, qui vont à l'encontre de tous les principes que vous avez lutté pour avoir. Alors si vous voulez nous aider, nous Africains, nous les pauvres peuples de Terre-Monde, il faut que vous soyez forts d'abord dans vos pays, il faut contrôler vos gouvernements, il faut les obliger à adopter des vraies politiques démocratiques qui respectent la loi internationale pour pouvoir nous aider. Merci beaucoup. Sempre, innanzitutto aiutate voi stessi, perché siete assenti nel prendere delle decisioni, siete completamente assenti e siete in balia di gente che dice una cosa e ne pratica un'altra, bisogna che voi prendete in mano la situazione e bisogna solo obbligare a prendere delle decisioni vere, concrete, e soprattutto aiutare la via democratica, la via di un sostegno proprio politico e concreto al diritto internazionale per aiutarci, per aiutarvi.